Bonjour à tous et à toutes, ici Mister Chetalis, maintenant on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Akinator. Nous allons voir s'il s'y connaît dans Inazuma Eleven. Nous avions déjà fait un premier épisode comme ça et vous aviez adoré. Du coup, je lance un deuxième épisode pour vous faire plaisir. On va commencer avec Bailong. Pourquoi Bailong? Parce que il y avait un abonné la dernière fois qui m'avait demandé d'essayer Bailong, du coup, on va le faire maintenant. Est-ce qu'il est masculin? Oui. A-t-il vécu en France? Bailong, non. Est-ce qu'il existe réellement? Non. A-t-il des cheveux? Oui. Moustachu? Non. Est-il issu de l'animation japonaise? Bah oui. Est-il le héros principal de l'œuvre dans laquelle on le trouve? Eh bien non, c'est ni Marc ni Arion. Est-ce qu'il a les cheveux noirs? Non plus. Va-t-il à l'école? Ah, c'est compliqué, ça je sais pas. Fait-il des combats? Non. Est-il un footballeur? Oui. A-t-il déjà été du côté du mal? Eh oui. Des cheveux rouges? Non. A-t-il les cheveux blancs? Oui. Un rapport avec le froid? Non, ce n'est pas Shaun. Vit-il dans le futur? Non plus. Est-il un dieu ou une déesse? Non, ce n'est pas Byron. Est-il actuellement le capitaine de son équipe? Il est capitaine de Zéro et Lumière Éternelle. Mais actuellement, il est capitaine... Enfin, il est dans l'équipe de Galaxy. C'est la dernière fois où on l'a vu. Il était capitaine aussi, donc oui. Peut-il faire des invocations? Oui. Il peut invoquer Astral, le dragon de l'aube. Fréquente-t-il des vampires? Non. Akuryu, c'est bien Bailong. Bravo Akinator. Pour cet épisode, comme la dernière fois, nous allons faire 10 personnages. Sauf que, pour changer, j'avais pas envie de faire que du Inazuma Eleven. On va faire 5 joueurs du Inazuma Eleven et 5 personnages de ou One Piece, ou Catch, ou Paladin, on verra. On fera 5 persos qui sont sur d'autres univers de ma chaîne. Mais la moitié, ce sera que du Inazuma. Donc en deuxième, on va prendre un catcheur. On va prendre, pourquoi pas, Zack Ryder. Woo, 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 you know it. A-t-il un rapport avec le milieu du sport? Oui. Est-ce qu'il existe réellement? Oui. A-t-il été plusieurs fois champion du monde? Non. A-t-il joué en équipe de France, Zack Ryder? Non. A-t-il participé à la Coupe du Monde 2018? Non plus. Footballeur? Non. Est-il français? Non. Européen? Non. Pratique-t-il un sport de combat? Oui. A-t-il les cheveux longs? Non. Est-ce que c'est un catcheur de la WWE? Oui. Porte-t-il le plus souvent une casquette? Non. Cache-t-il son visage? Non. A-t-il la tête rasée? Non. Ce n'est pas un agent du Shield. Cache-t-il en slip? Oui. A-t-il déjà eu les cheveux blonds? Je crois bien que oui. A-t-il déjà été champion? Oui, il a déjà été champion. A-t-il déjà été champion de la WWE? Je crois pas qu'il était champion de la WWE, il avait gagné d'autres titres, donc je vais dire probablement pas. A-t-il un bandeau sur la tête? Ah, avant oui, dans son entrée il avait un bandeau sur la tête, donc on va dire oui. Est-il un sportif à la retraite? Non. Porte-t-il souvent des lunettes de soleil? Eh ben, avant il faisait son entrée comme ça, avec le bandeau sur la tête et les lunettes de soleil, donc on va mettre probablement. Est-il toujours dans son groupe? Oui, il est en duo avec Mojo Rawley. A-t-il un nom en consonance italienne? Pas du tout. Porte-t-il souvent des lunettes? Non. Porte-t-il la barbe? Oui. Est-il gentil? Ah ouais, tout le monde l'adore, Zack Ryder. Est-ce qu'il est connu pour sa danse particulière? Je ne pense pas, enfin je sais pas. Est-il noir de peau? Non. Origine italienne? Non. Zack Ryder, bravo. Il est fort, ce Akinator, hein. Et du premier coup, du coup, il gagne 2 points, comme pour Bailong. Je propose de faire dans Inazuma Eleven le joueur. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. Je sais qui faire. On va faire Gazelle.
Est-il un footballeur? Oui. Est-il français? Non. Est-ce qu'il existe réellement? Non. Gardien de but? Non. Est-ce qu'il est dans Inazuma Eleven? Oui. A-t-il un rapport avec la neige? Oui. Mais là. Là, il va penser à Shaun. Porte-t-il un foulard blanc autour du cou? Non. Est-il mort jeune? Non. Est-il d'origine extraterrestre? Oui. A-t-il les cheveux rouges? Non. Manipule-t-il la glace? Oui. Eh, mais me dis pas qu'il a trouvé direct. Oh putain, Akinator. Attends, mais il l'a trouvé super rapidement. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi, l'enfant de moins de 16 ans. Et ceux qui l'accompagnent jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix. Ouais, excusez-moi, j'étais obligé de placer une carte Kiwi ici. Pour ce quatrième personnage, nous allons essayer de lui faire deviner un personnage de Super Smash Bros. Et on va lui faire deviner un difficile. On va prendre Larry, un des sbires de Bowser. De Bowser. Alors, est-ce qu'il apparaît dans Inazuma Eleven? Non. Est-ce qu'il existe réellement? Non. Porte-t-il des vêtements? Non. Est-il de grande taille? Non, il est petit. Est-ce qu'il se tient sur deux pattes? Oui. A-t-il un rapport avec les éclairs? Non. Est-il bleu? Probablement pas parce qu'il a une crête bleue. Est-il un Pokémon? Non. A-t-il une apparence animale? Oui. Fait-il partie de Yokai Watch? Non. En gros, je vais vous montrer une photo maintenant pour ceux qui ne le connaissent pas. Le voici. Du coup, est-il issu d'un jeu vidéo? Oui. Fait-il partie de la ligne de Mario? Ouais. A-t-il un gros nez vert? Non. La peau jaune, oui. Il va penser à Bowser. A-t-il les cheveux bleus? Oui. Oh putain. A-t-il déjà eu une mèche bleue? Ben ouais. Fait-il partie du groupe NCT? Je sais pas ce que c'est. A-t-il une voix grave? Non. A-t-il les cheveux couramment bleus? Ben oui. A-t-il déjà joué le rôle d'un sorcier? Je ne sais pas. A-t-il beaucoup de cheveux? Je sais pas si on peut dire qu'il en a beaucoup, il a une crête. A-t-il plusieurs couleurs de cheveux? Non. A-t-il une petite sœur? Bah, il y a Wendy, mais je sais pas si c'est sa petite sœur ou grande sœur, donc on va dire probablement. Est-il un bébé? Je sais pas si c'est vraiment un bébé. Plus de 2 mètres? Non. A-t-il eu son bac? Non. Larry Koopa. Eh bien, bravo Akinator. Aujourd'hui, il est chaud, il trouve tout du premier coup. On va faire compliqué, on va lui faire deviner Cronus Four Seasons. À mon avis, il aura un peu de mal. Alors, non, il n'existe pas réellement. Cronus Four Seasons de Inazuma Eleven Go. A-t-il des habits? Oui. Porte-t-il une moustache? Non. Est-il footballeur? Oui. Gardien de but? Non. Un rapport avec la neige? Non. A-t-il déjà été du côté du mal? Il a été adversaire, mais il n'a jamais été méchant, il n'a jamais été vraiment du mal, donc on va dire non. Est-il d'Inazuma Eleven? Oui. Est-ce qu'il a une petite sœur? À mon avis, non. Est-il italien? Non. Défenseur non plus. Est-ce qu'il a un chien? Je pense pas, hein, non. Utilise-t-il le feu? Oui. Ça va l'induire en erreur, je pense. A-t-il une sœur? On ne sait pas. A-t-il les cheveux orange? Non. Peut-il contrôler le feu? Je sais pas. C'est juste son esprit guerrier. Certes, le géant de feu, mais après, est-ce qu'il contrôle le feu en lui-même? Pas vraiment. Il n'utilise pas que les techniques de feu. Est-il les cheveux blancs? Non. Vit-il aux États-Unis? Non. Est-il un attaquant? Four Seasons au départ? Oui, il est attaquant. Les cheveux rouges? Non. Vit-il dans le futur? Non. Est-ce qu'il est actuellement capitaine de son équipe? De son équipe individuelle? Ouais, le Mont Olympe. Est-il brésilien? Non. Est-ce qu'il a quelque chose sur la tête?
Bah ouais. J'avais un petit doute, mais oui, effectivement, il a bien une sorte de corde tout autour de la tête. Donc, est-ce qu'il porte quelque chose sur la tête? Oui. Ressemble-t-il à une fille? Bah non. A-t-il un côté monstrueux? Non, pas monstrueux. Porte-t-il des gants? Non. Les cheveux noirs? Non. Cheveux bruns, oui. S'il a trouvé, je suis sur le cul. Wow! Alors là, chapeau Akinator. Franchement, chapeau. Je pense que pour les prochains, on va faire des plus difficiles. Comme sixième perso, on va prendre quelqu'un du monde de One Piece. Et je propose de faire un assez, je vais pas dire difficile, mais un peu entre les deux. On va prendre un personnage vraiment secondaire. Pas trop vieux si possible. Des épisodes, mais pas trop actuels non plus. Je propose de prendre. On va essayer, voilà. On va essayer Gladius, un des seconds de Doflamingo. Est-il un footballeur attaquant? Non. Non, il n'est pas d'Inazuma Eleven, il n'est pas de Pokémon. Un rapport dans le milieu du sport? Non. A-t-il déjà porté la moustache? Non. A-t-il des cheveux? Oui. Est-il une fille? Non. Va-t-il à l'école? Non. Est-il le héros principal? Non. Est-il méchant? Oui. A-t-il les cheveux noirs? Non. Est-ce qu'il est dans un jeu vidéo? Non. Il vient d'un manga et d'un animé surtout. Un personnage de One Piece, oui. Porte-t-il toujours des lunettes de soleil? Probablement, parce qu'il est souvent avec des lunettes. Oui, il a mangé un fruit du démon. Est-il un grand corsaire? Non. Est-il dans la marine? Non. Est-il riche? Bah non. Les cheveux blonds? Non. Y a-t-il plusieurs frères? Je ne pense pas, donc probablement pas. Est-il actuellement le capitaine de son équipe? Non. S'habille-t-il en noir? Oui. A-t-il des sœurs? Non. A-t-il un numéro dans son pseudonyme? Non. Gladius, il n'y a pas de numéro. Un rapport avec les animaux? Non plus. Les cheveux rouges ou roux? Non. Il peut pas avoir trouvé maintenant. Mais comment est-ce qu'il a fait? Bon, là on va arrêter de rigoler. On va prendre un difficile. On va prendre Tom Skyper, un joueur disponible uniquement dans les jeux Inazuma Eleven 2, Inazuma Eleven 3 et Inazuma Eleven Go Chronostone et Galaxy. Surprise, motherfucker! A-t-il des cheveux? Oui. Fait-il des combats? Non. Un rapport dans le milieu du sport? Oui. Dans Inazuma Eleven? Oui. Est-il gardien de but? Non. Un rapport avec la neige? Non. A-t-il un frère ou une sœur? Non. A-t-il déjà été du côté du mal? Ben non. Ce n'est pas du tout le héros principal. Il n'est pas défenseur. Il n'est pas italien. Est-ce que c'est un garçon? Oui. Est-ce qu'il est capitaine de son équipe? Non. Il n'a jamais été capitaine de quoi que ce soit. Vit-il avec sa mère? Ben on ne sait pas. Hein. A-t-il un rapport avec des dragons? Non. 2 hours later. Un rapport avec la mer? Oui. A-t-il les cheveux noirs? Pas vraiment, non. Cheveux roses? Eh non, c'est pas Hurley. One eternity later. Un œil bandé? Non. La peau mate? Je ne sais pas, il est un peu bronzé. Eh ben non, ce n'est pas Lucien. Donc Akinator n'aura pas 20 sur 20 à cet épisode. Nique ta mère. Je dis ça parce qu'en temps normal, s'il trouve du premier coup, il a 2 points sur 2. S'il se trompe plusieurs fois et qu'il trouve au final quand même, mais qu'il s'est trompé entre-temps, il a 1 point sur 2. Et s'il ne trouve pas, il a 0. Pour l'instant, il fait que du 2 contre, que du 2 sur 2. Le score actuel est de 12 sur 12, si je me trompe pas. Et du coup, là, ben, 12 sur 14, il peut monter qu'à 13 pour l'instant. Après, peut-être que je me trompe. Pendant le montage, j'afficherai le score tout au long de l'épisode. Mais de tête, je crois que là, pour l'instant, il en est à 6 questions réussies. Six and a half hours later. Bon, j'ai mis une coupure. Il n'a pas réussi à trouver.
J'ai fait une grosse coupure parce que pendant une trentaine, quarantaine de questions, plus 50 pubs, bref, il n'a pas trouvé, du coup, dommage Akinator, tu n'as pas trouvé Tom Skyper. Allez, pour le huitième, nous allons prendre un autre catcheur. Je sais, j'en ai déjà fait un, mais on va en faire un deuxième pour s'amuser. Nous allons prendre Santino Marella. S'agit-il d'un perso de dessin animé? Non. Il n'a pas fait la Coupe du Monde 2018. Oui, il existe réellement. Non, il n'est pas footballeur. Non, il n'est pas français. Vit-il aux États-Unis? Je crois bien que oui. Pratique-t-il un sport de combat? Oui. Des cheveux longs? Non. Est-ce que c'est un catcheur de la WWE? Oui. A-t-il une casquette? Non. Porte-t-il un masque? Non plus. La tête rasée? Non plus. Un agent du Shield? Non. Il ne catche pas en slip. Il est pas souvent torse nu, non. Est-il gros? Non. Plus de 45 ans? Je pense pas. Probablement pas. A-t-il souvent un chapeau? Non. A-t-il un père célèbre? Je sais pas du tout. A-t-il déjà été champion de la WWE? Champion de la WWE? Non, mais il a eu d'autres titres. A-t-il déjà eu les cheveux blonds? Non. Une grosse barbe? Non. Noir de peau non plus. Et il n'est pas habillé en costume cravate. Il n'est pas maquillé. Est-il italien? Ah, probablement. Il a un rôle un peu d'italien, mais il n'est pas italien au départ. Il n'est pas d'origine italienne. A-t-il un accent italien? Oui. Je crois qu'il l'a trouvé. Santino Marella. Bravo Akinator. Nous allons faire le 9e. Le 9e qui sera un perso d'Inazuma Eleven. Et ce sera Drago, l'attaquant de la sélection de Kostai, les Little Gigantes. Salut, c'est moi les épaules. On va faire ça pour qu'il se trompe et qu'il vote pour Kevin alors que non. Est-il un footballeur? Oui. A-t-il fait la Coupe du Monde? Non. Non, il n'existe pas réellement. Et oui, il est dans Inazuma Eleven. Gardien de but? Non. Cheveux blancs? Non. Est-il déjà été du côté du mal? Probablement pas. Non, il était juste adversaire. Je pense pas qu'il est frère et sœur. Non, il n'est pas défenseur. Restez bien jusqu'à la fin parce que, comme d'habitude en fin d'épisode, je lance le Tally Time. Alors non, il n'est pas capitaine de son équipe. A-t-il un rapport avec les dragons? Oui. Les cheveux roses? Et non. Et là, Akinator, il se demande ce qui se passe. A-t-il les cheveux très courts? Non. Les cheveux rouges? Non. Vit-il dans le futur? Non. A-t-il des lunettes? Non. A-t-il souvent les cheveux longs? Bah, pas vraiment. Cheveux blancs? Non. Possède-t-il un chien? Non. Cheveux noirs non plus. A-t-il beaucoup de cheveux? Bah, probablement pas. Non, il a une coiffure normale. A-t-il un attaquant? Oui. Est-il de grande taille? Oui, il est grand. Ses cheveux plutôt longs? Allez, on va dire que oui, un peu plutôt long. Cheveux orange? Non. Non, je crois bien qu'il a les cheveux verts, mais je suis pas sûr. Je vais aller voir. Effectivement, il a bien les cheveux verts. Du coup, est-il de sexe féminin? Non. Un rapport avec la neige? Non. A-t-il un frère? On ne sait pas. Les cheveux longs? On ne sait pas s'il les a déjà eu long. Vit-il aux États-Unis? Non. À mon avis, il n'a pas trouvé. Et voilà, il s'est trompé, c'est pas Steve Grimm. Depuis quand Steve a un rapport avec les dragons? Bref, non, il n'a pas les cheveux bruns. Souriant? Bah, probablement, hein. Cheveux violets? Non. Est-il de couleur de peau métisse? Ouais. Est-il un œil bandé? Non. Combat-il des monstres? Non. A-t-il les cheveux longs? Mais arrête avec tes cheveux longs! A-t-il les cheveux verts? Oui. Est-il extraterrestre? Eh non, c'est pas Janus. Feyrun? Eh ben non, c'est pas Fey non plus. Est-il passé des méchants aux gentils? Non. Porte-t-il les chaussures? Ben oui.
Est-il un meneur? Pas spécialement. A-t-il de très longs cheveux? Non. Mais tu nous fais chier avec tes questions de cheveux. A-t-il réellement existé? Ben non, il est dans Inazuma Eleven. Fait-il de l'athlétisme? Non. A-t-il de petites jambes? Non, on t'a dit qu'il était grand. Vit-il avec sa mère? On ne sait pas. Est-il italien? Non. Porte-t-il un casque? Non. A-t-il un petit frère? Tu nous as demandé s'il avait des frères et sœurs, on t'a dit qu'on ne sait pas. Est-il blanc? On t'a dit qu'il était noir de peau. Enfin, qu'il était bronzé. Eh ben non plus. Il n'a pas trouvé. Dommage, Akinator. Tu gagnes pas de points pour ce coup-ci. Ta gueule, tu es moche. Nous allons finir avec le dernier perso, puis ensuite on aura le Tally's Time. Et le dixième perso, ce sera Pip. Pip de Paladin. Alors, a-t-il fait la Coupe du Monde 2018? Non. Est-ce qu'il existe réellement? Non. Fait-il partie du milieu du sport? Non. A-t-il des cheveux? Non. Est-il un Pokémon? Non plus. Est-il japonais? Non. Une apparence animale? Oui. A-t-il des habits? Oui. Est-il une souris? Non. Vit-il avec ses deux parents? Non. Est-il de Disney? Non plus. Personnage de dessin animé? Non plus. Un jeu vidéo? Oui. A-t-il des armes? Oui. A-t-il des poils? Oui. Est-ce que c'est l'héros principal? Non. Est-ce qu'il est petit? Oui. Est-il de League of Legends? Non. Est-ce que c'est un rongeur? Ouais. Un hamster? Pas vraiment. Non. Est-il dans Gardien de la Galaxie? Non. Est-il méchant? Non. Un rapport avec Nintendo? Non. Personnage est-il en duo? Non plus. Est-ce que c'est un renard? Il ressemble un peu à un renard, on va dire probablement. Est-il un ninja? Non. Combat-il avec des armes à feu? Oui. Est-il déjà allé dans l'espace? Non. Porte-t-il souvent un chapeau? Non. Est-il un renard? Bah, je sais pas vraiment si c'est un renard. S'il trouve, il est fort, hein. Pip de Paladin, il a trouvé. Bravo. Et bien maintenant, on peut lancer le Tally's Time. Pour ce Tally's Time, c'est assez spécial ça, parce que, on va dire, ça va influencer une des prochaines vidéos que je ferai. Est-ce que vous voulez la prochaine fois que je fasse un Akinator spécial One Piece ou spécial WWE? Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci d'avoir regardé en tout cas. C'était Mr. Chitalisman. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!